Bienvenue à tous dans l'un des plus beaux stades du monde, le théâtre majestueux du FC Barcelone, le Camp Nou. Et voici donc le FC Barcelone contre le Brésil. Bonjour et merci de nous retrouver, Darren Tullet et moi-même, Grégoire Margoton, pour le match d'aujourd'hui. Hello Grégoire et hello à vous aussi chez vous. Et c'est donc parti. Petite question rapide, qui sera le joueur décisif dans cette rencontre? Certainement Neymar. Il enchaîne les dribbles. Oh, l'occasion! Le but pour le Brésil! Et voilà l'entame de match absolument parfaite. On dit souvent qu'il faut se méfier des ballons perdus au milieu de terrain. Eh bien, vous voyez qu'on ne raconte pas que des bêtises quand même. Eh bien, on n'aura pas attendu longtemps pour assister à l'ouverture du score. Messi, bonne interception, il y avait danger. Casemiro, ça peut être extrêmement dangereux. Paulinho. Le Brésil qui utilise ses latéraux quasiment comme des ailiers. Et vous pensez que c'est pour peser en attaque ou plutôt pour forcer les ailiers en face à défendre? Sans doute un peu des deux, Grégoire. Non seulement ils peuvent combiner avec les joueurs de couloir, mais en plus ça oblige leur adversaire direct à redescendre d'un cran. Plutôt malin. Il est sur le côté, il peut tenter un centre. C'est parfait, magnifique. Allez jusqu'au bout, et il trempe le gardien. Et ça fait deux buts en l'espace de quelques minutes. Et quand on lui offre autant de liberté, ça se termine souvent comme ça. Il était au bon endroit, au bon moment. Dès qu'il a reçu cette passe, on savait comment ça allait se terminer. Au fond des filets. Et le doublé. Le Brésil vient peut-être de se mettre à l'abri. Alors là, c'est un but qui fait du bien. À 2-0, ils peuvent voir venir. Il progresse encore. C'est Iniesta qui centre. Énorme occasion. Ça rentre. Plus qu'un but de retard, il faut continuer. Face au but démarqué, ça ne pouvait pas se terminer autrement. La défense l'a complètement perdu de vue. Il était libre de tout marquage. Il ne compte plus maintenant qu'un but de retard. C'est bon pour le moral, ça. Et s'ils allaient chercher l'égalisation? Philippe Coutinho reçoit le ballon. Il paraissait bien seul aussi. Daniel Alves, qui était hors-jeu. Iniesta. Rakitic. Oh, Luis Suarez, il joue en retrait. Pas le temps de se lamenter, c'est déjà récupéré. Il tire. C'est repoussé. Tant qu'on le garde dos au but, il est inoffensif. C'était bien défendu, ça. Le ballon sort du terrain. Messi. Oh, Luis Suarez. Bien joué, ça. Moi, je trouve que c'est l'un de ces attaquants qui font vraiment peur aux défenses adverses. C'est un épouvantail en crampons. C'est la mi-temps dans ce match intéressant. Espérons que la seconde période sera tout aussi belle. On a vu une première période très agréable avec 3 buts et un score qui ménage encore beaucoup de suspense. Allez, c'est une nouvelle mi-temps qui commence. Barcelone n'a aucune raison de paniquer. Il reste quand même 45 minutes pour jouer, pour revenir dans cette rencontre. Jean Miranda, Paulinho, Renato Augusto. Oh, voici Neymar. Paulinho, ça joue long vers l'aile, la diagonale, et ça ne passera pas. Deulofeu, qui compte donc un but dans ce match. Ça passe à droite. Le jeu repart vers la droite. Bonne intervention.
Il s'impose physiquement dans ce duel. Il peut frapper là. Il avait fait le plus dur pourtant. Quelle inspiration. Repiquer dans l'axe comme ça, c'était génial. C'est bien, il faut continuer comme ça. Come on. Ils n'ont plus vraiment le temps de se montrer prudents, non? Indeed, Grégoire. Indeed, en effet. Il y en a un qui a le droit à un traitement de faveur. On dirait qu'ils essaient de le déstabiliser, de l'énerver pour le faire craquer. Espérons qu'il va savoir garder ses nerfs. Faut que ça va partir vite. C'est joué long vers le poteau de corner. Daniel Alves, bien servi sur le côté. La tentative de centre. Il est à distance de tir. Le Brésil qui récupère. Quelle occasion, attention! Sauvé par le poteau. Rakitic. Bien joué à droite, il faut aller vite. C'est joué long. C'est reparti, ils peuvent contrer. Il choisit la profondeur. Mauvaise intervention, faute là-dessus. La défense est en sursis, ils s'en sortent pas mal sur ce coup-là. Et il jaillit pour prendre ce ballon. Neymar. Voilà une bonne occasion de contre. Ils obtiennent un coup franc. Sergio Busquets qui se fait exclure. Mauvaise nouvelle pour l'ensemble de l'équipe. Marquinhos. Paulinho. Bien servi. Oh, très bon ballon. Ah, il est bien monté. Daniel Alves, qui est bien placé dans la surface. Le mauvais tac dans la surface, c'est pénalty, forcément. Ce pénalty, c'est peut-être la fin de leurs espérances dans les dernières minutes. Oh, le sang-froid, il aggrave la marque sur ce pénalty. Et à aucun moment, il ne donne l'impression d'avoir douté. Il savait ce qu'il allait faire depuis le départ. Et ça y est, le coup de sifflet final de l'arbitre.